Salut les gens, aujourd'hui c'est Loot Crate. Unboxing. Let's go! Aujourd'hui, unboxing Loot Crate du mois de juillet. Donc, Loot Crate, c'est qui, c'est quoi? C'est un site venant des USA qui nous propose des box tous les mois pour le prix de 29,95. Eux, c'est 95, il y en a, c'est 90. Il y en a, c'est 99. Eux, c'est 95. Donc, voilà. Et pour ce mois-ci, nous avons un thème futuristique. Donc, nous avons du Futurama, du Mega Man, du Star Trek. Donc nous allons bien voir ce que nous comptons. Loot Crate, let's go. Ma petite glanderie. Et bien sûr, je vous montre. Attention. Est-ce que c'est joli? Parce que c'est sympa. Vous avez vu la boîte? Elle est jolie. Je vous la montrerai à la fin en mode je l'ai renversée. With the reverse bottle box. Allez, c'est parti, comme d'habitude. Le t-shirt pour la vente, Zemonza. Ouh, une grosse boîte cartonnée. Qu'est-ce que c'est? Oh, joli! Excellent. C'est le vaisseau de Futurama dans lequel il voyage. J'aime beaucoup. Hop, hop, voilà, un Futurama qui est dessiné par Monsieur Matt Groening, celui qui fait les Simpsons. Voilà, en plus c'est une Loot Crate exclusif, ça c'est cool. Donc voici le petit plateau, on va reposer le vaisseau, devant et derrière. Voilà, je vous montre un petit peu le devant, voilà, très sympa, toujours aussi décalé. Que on a le même, quoi, la photo qui tourne sur internet, vous savez, le Take My Money. Shut up and take my money. Ensuite, je vais tout péter. Une boîte. Mega Man. Voilà. Donc nous avons peut-être la chance de récupérer un des persos qu'il y a là-dessus. Ou là-dessus. Moi perso, c'est pas grave. J'ai n'importe. Ça fait toujours plaisir d'avoir un perso de la licence de Mega Man, vu que c'est pas une licence où on a beaucoup de goodies avec, malheureusement. Quoi qu'il y a les oreilles qui sont sorties il n'y a pas longtemps en écouteurs de Mega Man. Alors, allez, je vous laisse parier. Qui c'est qu'on a? Et vu que je suis bidon à ce genre de jeu, ouais, non, là, ça va être trop dur vu qu'il y en a beaucoup en plus. Avec la chance que j'ai soit la fille, hein. Soit le vieux docteur, ou peut-être le truc moche en orange. Voilà. Allez, c'est parti. Et nous avons... Et le rouge. Voilà, nous avons le rouge. Très sympa. Ouh, il est mignon. Voilà, Mega Man rouge. Ça fait plaisir. Donc pour l'instant très content de la boîte. Ensuite, le t-shirt bien sûr pour la fin. Star Trek The Next Generation Loot Crate exclusive.
bizarre parce que c'est tout plat. Merde, je sais pas rentrer. Voilà. Voilà. On sait pas ce que c'est le plat comme autocollant. Hop. Ouais. Oh, belle. USS Enterprise. Voilà, donc en gros, on a pratiquement tous les membres de la Starfleet. Hop. Voyez. Bon, ça sert un peu à rien, je pense, ce petit item-là. Déjà qu'entre fans de Star Wars plus que Star Trek, déjà à la base, même si ça m'empêche pas de voir les films et de connaître la série, Captain Kirk et Monsieur Spock. Voilà. Hop. Je pense qu'on doit être bientôt au t-shirt là. On va avoir le pins quelque part. Ah, il y a le bouquin et un comics. Nice. Valiant, excellent, j'aime beaucoup. J'aime bien l'image en tout cas. Voilà, ça fera un petit comics à lire pendant les vacances. Voilà. Hop. Voilà, petit sympa. Pourquoi pas. Cool. Donc, le petit magazine futuristique, voilà. Hop. Hop là. Avec le petit Willow View derrière. Hop. Bien sûr que je garde pas, sinon ça me spoil le t-shirt. Sinon c'est pas drôle, après je vais être énervé. Et voilà. Après, voilà. Alors le petit pins. Ah yes. Oh, il est joli. Le Star Trek. Avec le petit message de paix de Monsieur Spock. Live long and prosper. C'est pas prosper youpla boum, hein. Tu vas te calmer toi. Voilà. Sympa. Et nous avons le t-shirt bien sûr. Je le regarde pas. C'est vous que je regarde. Hein, puisque c'est vous avez la primeur de le voir en premier. Sinon c'est pas trop. Voilà, toujours de très bonne qualité. On recule un peu. Regardez, en qualité. Alors, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est pas beau? En tout cas, toujours de très bonne qualité, les t-shirts chez Loot Crate. Allez, c'est parti. Ah, pas mal. Pas mal, j'aime bien. De Rick and Morty. Je sais pas si vous connaissez la série, ça s'inspire beaucoup de Retour vers le futur. Donc c'est pas mal, j'avais eu une t-shirt à l'époque qui était très très jolie avec la tête du professeur. Donc c'était cool. Mais je l'ai pas celui-là, mais c'est dommage. Bon, en tout cas il est très beau. Voilà. Let's go to the recap. C'est parti pour le recap. Donc spécial Loot Crate, spécial futuristique. Donc avec plein de trucs du futur. Donc nous avons le joli t-shirt Rick and Morty. J'aime beaucoup, il est très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite nous avons le petit comics. Le pins, le vaisseau de Futurama, la plaque spéciale Enterprise, Megaman en rouge. Donc très content de cette box pour 30€, elle vaut largement le coup, donc heureux de l'avoir prise et d'être toujours chez Loot Crate. Donc j'étais un peu déçu de la loot animée du mois de juillet aussi, pareil sur le thème Squadron, mais bon ça vous avez vu dans l'autre vidéo. En tout cas très heureux de cette Loot Crate. Spécial futuristique. Et on n'oublie pas toujours les réseaux sociaux, c'est très important. Le petit pouce bleu aussi est très cool. Donc c'était Jam Collector. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao. Et n'oublie pas, abonne-toi, copain. Donc voici la Loot Crate spécial futuristique à l'envers. Donc là nous pouvons la voir de toutes les couleurs. Donc genre une ville allumée en pleine nuit, assez sympa. Le petit logo Loot Crate, Landing Zone, voilà, sur les côtés, hop, le hangar 1337, voilà, ça c'est sympa, et j'ai reçu aussi la petite carte, membre, ça fait plaisir. Bon, c'est pas celle du club Dorothée, mais c'est pareil. Voilà, allez, ciao ciao.